Est-ce que Maven a perdu son driver pour l'Amérique? Bah, je pense, ouais, je suis qualifié pour le Prix d'Amérique, j'aurais peut-être jamais un cheval pour recourir en tant qu'entraîneur, donc je vais me faire plaisir. Franck Nivard et Vulcain de Vandel sont les invités de dernière minute du prochain Prix d'Amérique. Le tandem se rend maître du prix Ténor de Beaune et se qualifie directement pour le championnat du monde des trotteurs. Dès lors, la décision de Franck Nivard est logique. Lui qui délaisse Maven, sa partenaire, annonçait le dernier dimanche de janvier qu'il devance nettement lors de cette ultime répétition. Seulement 7e, l'américaine assurée de participer au Prix d'Amérique grâce à ses gains, coince après avoir animé l'épreuve, bloquant Viking de Val en manque de réussite cet hiver. Très chuchoté, le favori Mosaic Face termine à leur côté, s'emparant d'une décevante 6e place. Caché au maximum, Vulcain de Vandel surgit dans la phase finale et utilise son incisive et acérée pointe de vitesse pour dominer au sprint Villeroy à l'extérieur. Au centre, Valco Genila et Glenny Delaune s'inclinent avec les honneurs, mais sauvegardent la 3e place aux dépens du bon finisseur Chelsea Boko.